Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y en a qui vont être contentes, c'est du diamond painting. Il y a mes mères qui miaulent. Oui, j'avais reçu, rappelez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, des porte-clés Mickey et Mimi. Et ben voilà, je les ai faits, j'avais envie de les faire. Du coup, je les ai faits. Hein. Quand on a envie, on le fait. Ça m'a pas pris longtemps. Il y en avait 5. Voilà, il y en avait 5 et j'ai mis une heure et demie pour les faire. C'était tout nickel. Donc, dans la vidéo, elle veut se montrer. Tu veux te montrer? Voilà. Oh, bonjour. Bonjour. Non, voilà. Oh là là. Oh, mon Dieu. Oh, fais des bisous, maman. Non? Ah, ça y est, elle est accrochée. On va y mettre des pantoufles à ses papates. Oui, je vous disais, ça m'a pris une heure et demie pour diamanter. Alors, vernir, bon, et puis faire le montage avec les crochets porte-clés. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? D'habitude, maman, elle se met là-bas, alors ça te plaît pas. Ça lui plaît pas. Et le séchage m'a pris... le séchage du vernis m'a pris quoi? À peine une heure. C'était très, très vite sec. Pour ceux, avant qu'on me le demande, j'utilise le vernicole de chez Cléopâtre. Voilà. Pour vernir mes, quand j'ai des petits objets comme ça en DP. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Alors, il y a une partie en vitesse. Alors, excusez-moi, vous voyez? Ça bouge. C'est parce que le plancher, il bouge. C'est une vieille maison, hein. Alors, du coup, tout, il bouge si on bouge. Faut pas que je danse la gigue, parce que sinon, le téléphone, il va sauter. Du coup, je dis des conneries et j'ai oublié ce que j'allais dire. Je sais plus. Oui, ça y est. Petit poisson rouge. Je me marre toute seule. Je suis sûre que vous êtes en train de vous marrer aussi et devant votre écran. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc, il y a une partie en vitesse normale et une partie en vitesse un tout petit peu plus vite parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Elle aurait dépassé les 1h30 et là, pour du diamond painting, ça faisait beaucoup quand même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Dites-moi si vous avez déjà fait ces porte-clés, si vous avez déjà fait donc Mickey et Minnie. Ou bien si vous en avez fait d'autres, hein, pourquoi pas. Donc ceux-là viennent de la boutique Colorful DIY. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà. J'avais un autre truc à vous dire, mais ça y est, je l'ai encore oublié. Oh, c'est une catastrophe, ma cervelle. C'est un vrai gruyère. Bon, bah tant pis, hein, je vous le dirai la prochaine fois. C'est pas grave. Juste un petit rappel, vous savez qu'il y a un concours, c'est marqué Big Concours, voilà, pour l'anniversaire. Donc n'hésitez pas à y participer si vous ne l'avez pas encore fait. Par contre, si vous avez participé et que vous voyez que je n'ai pas répondu à votre commentaire, c'est parce que vous avez oublié le mot magique que je dis dans la vidéo. Alors, allez modifier votre commentaire et pour que je puisse vous valider. Voilà. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous, bon visionnage pour la suite.